Nous sommes dans le livre des juges, n'est-ce pas? Nous sommes dans le livre des juges. Il faut savoir que Dieu a commencé à susciter des juges en Israël à la mort de Josué. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand Josué va mourir, il va avoir une génération qui n'avait pas connu tout ce qui s'était passé, tout ce que Dieu avait fait. Comment il avait ouvert la mer rouge, avait sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Et la Bible nous dit que cette génération marchait véritablement dans le mal. Elle faisait ce qui déplaisait à l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passait en conséquence? Le Seigneur livrait cette nation entre les mains de ses ennemis. Le Seigneur livrait Israël entre les mains de ses ennemis. Et quand Israël criait à Dieu, quand Israël pleurait devant Dieu parce que c'était trop, parce qu'ils restaient des fois opprimés pendant 10 ans, 20 ans, pendant des années, leurs ennemis leur faisaient la misère. Si je peux dire ça ainsi. Et quand Israël maintenant criait à Dieu, Dieu suscitait des juges. Alléluia. Dieu suscitait des juges afin de sortir le peuple de Dieu, de les sortir, de les tirer de l'oppression de leurs ennemis. Et Déborah a été suscitée. Elle a été le quatrième juge que Dieu a suscité en Israël. Elle a été suscitée afin de pouvoir conduire le peuple de Dieu, de lui annoncer ses oracles. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, Déborah était une prophétesse également. Elle était juge en Israël, elle était une prophétesse, elle était mariée, elle était certainement mère. Alléluia. Déborah avait une position d'autorité, une position de commandement. Elle était haut placée, elle était juge. Les enfants d'Israël venaient la consulter quand ils avaient peut-être un conflit à régler entre eux. Ils allaient voir le juge, ils exposaient leur situation et Déborah devait trancher selon la parole de Dieu. C'est une femme qui devait certainement être tellement occupée. Parce que quand elle est à la maison, Déborah, il fallait qu'elle fasse à manger pour son mari. Il fallait qu'elle s'occupe des enfants. Il fallait peut-être qu'elle les accompagne à l'école. Et quand il fallait qu'elle soit dehors, elle devait faire le travail de Dieu. Elle devait juger le peuple. On ne sait pas combien de temps elle restait sous le palmier de Déborah en train de recevoir le peuple, mais elle travaillait. C'était une femme qui était active. C'était une femme qui était debout. Elle avait multiples casquettes, cette Déborah. Et elle s'est levée en Israël. Elle s'est levée en Israël parce qu'elle a eu conscience de la réalité spirituelle. Elle a eu conscience de la réalité spirituelle et morale de son époque et elle a refusé de rester dans le sommeil. Parce que quand on ne se lève pas, bien-aimé, c'est qu'on est dans le sommeil. Quand on ne se lève pas, qu'on reste assis. Une personne qui est assise, est-ce qu'elle est active? Dites-moi, une personne qui est assise, est-ce qu'elle est active? Elle n'est pas active. Parce qu'elle est assise. La position assise, c'est la position du repos, n'est-ce pas? Et Déborah a décidé de se lever. Parce qu'il fallait libérer le peuple d'Israël. Et comme Déborah, je pense que beaucoup d'entre nous ici, nous avons aussi plusieurs casquettes. Je pense que parmi nous, il y a des femmes qui sont mariées. Parmi nous, il y a des mères. Parmi nous, il y a des femmes qui travaillent. On a plusieurs casquettes aussi comme Déborah. Mais comme Déborah, j'aimerais te dire aussi ce soir que tu as aussi des talents. Alléluia. Tu as aussi des grâces que Dieu a déposées en toi. Tu as aussi des choses à faire. Des choses à faire dans cette société, bien-aimé. Il y a tellement de choses à faire. Tu as des choses à faire dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ça fait combien d'années que tu viens dans le Seigneur et que tu es toujours assis à la même place? Ça fait combien d'années que tu viens à l'église? Tout ce que toi tu veux, c'est venir, t'asseoir à ta place, que le protocole ne te dirige surtout pas. Tu vas te mettre là où toi tu veux. Quand la parole sera finie, tu vas rentrer chez toi. Mais le Seigneur ne t'appelle pas à ça, excuse-moi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Alléluia. Le Seigneur ne t'appelle pas à ça. Oui, il est bon de venir à l'assemblée afin de recevoir les enseignements que le Seigneur veut nous donner. Oui, nous avons besoin de grandir. Ne fuyez pas vos assemblées comme c'est la coutume de certains, comme dit la Bible. Mais Dieu ne t'appelle pas à rester assise. Il veut que tu te lèves aussi. Parce que cette position, c'est une position de sommeil, bien-aimé. Peut-être que tu ne le savais pas. Si tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, je te dis que tu es dans le sommeil et que tu dois véritablement te réveiller. Ce sommeil, cette mort dans laquelle tu es. Dans le livre de Juges 5, on voit que Déborah chante un cantique. Et dans ce cantique, elle dit, « Lève-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi.
Si par exemple je viens comme ça, tu es en train de dormir, je te fais ça. Réveille-toi, réveille-toi. C'est moi qui fais l'action de te réveiller, n'est-ce pas? Mais là, la Bible dit que Déborah dit à elle-même, réveille-toi Déborah. Cela veut dire que ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre. C'est une décision qui doit venir de toi. Alléluia. C'est toi qui dois décider de te réveiller. Personne ne va te réveiller. De la même manière que Paul a dit à Timothée, que tu dois ranimer les dons que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Tu les as déjà reçus, mais c'est à toi de les ranimer. On attend toujours que les gens fassent les choses à notre place. Mais c'est à nous de nous réveiller nous-mêmes. Alléluia. Et la Bible nous dit encore dans Éphésiens 5, 14. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Là, on voit le sommeil, la mort. Et Christ t'éclairera. C'est toi qui dois te réveiller. C'est toi qui dois prendre cette décision-là. Et le réveil, c'est quoi? On nous l'a dit tout à l'heure. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Une prise de conscience de son état. Quel est ton état aujourd'hui? Depuis que tu es converti, est-ce que tu vois du changement? Depuis que tu viens à l'assemblée, est-ce que tu estimes que tu as grandi? Ou est-ce que tu estimes que tu as régressé? Si tu as régressé, sache qu'il y a un problème quelque part. Chacune peut être utile dans la société. Mais quand on ne fait rien, on est vraiment comparable à un mort. Vous savez, quand on reste assis, comme je disais, le Seigneur a mis des dons en nous. Alléluia. Et quand tu restes assis avec ces dons fermentent. Essaye de prendre l'image d'un yaourt, d'accord? On a yaourt, on a tous des yaourts à la maison, dans le frigo. Et quand tu vas vouloir manger ce yaourt, après sa date d'expiration, longtemps après, parce que même 3-4 jours, une semaine, tu peux encore le manger. Mais quand tu vas manger un yaourt longtemps après sa date d'expiration, tu verras qu'il ne sera plus mangeable. Le yaourt a fermenté. C'est la même chose pour toi. Tu restes assise avec tes dons, tu restes assise avec tes dons. Tes dons sont en train de pourrir en toi. Tu ne fais rien avec. Et c'est grave. Parce qu'au moment où tu voudras te lever, il sera trop tard. Tes dons auront déjà fermenté. Alléluia. Tu ne pourras plus te lever parce que... Tu pourras toujours te lever, mais comprenez ce que je veux dire. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Dieu aura certainement suscité d'autres personnes. Et toi, tu sentiras que tu es dépassé. Tout ça parce que tu n'as pas su saisir le temps qui était le tien. Alléluia. Alléluia. Dieu attend que chacune d'entre nous se réveille. Il y a tellement de choses à faire, bien-aimés. Il y a tellement de malades à aller visiter dans les hôpitaux. Il y a tellement de gens à aller visiter, des familles qui sont malheureuses. Il y a tellement de jeunes filles qui sont perdues. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Déborah, qu'est-ce que tu fais? Tu es assise. Dans le chapitre 4 de Juges, on voit que Déborah va convoquer Barak. Elle va convoquer Barak. Comme on l'a vu, elle était prophétesse, n'est-ce pas? Elle a reçu une parole pour cet homme, qui devait sûrement être chef de l'armée. Et elle va lui dire que le Seigneur t'a suscité afin d'aller libérer le peuple d'Israël. Et là, il va se passer quelque chose d'assez surprenant. Alléluia. Cette chose justement dont je parlais tout à l'heure qui a amené Déborah à se réveiller, Barak va refuser. Il va dire, je ne partirai pas. Je n'irai pas libérer les enfants d'Israël si tu ne viens pas avec moi. Alléluia. Non, essayez un peu d'imaginer. Essayez un peu d'imager cette situation. Un homme qui avait certainement l'habitude de prendre les armes. Alléluia. Qui sûrement avait déjà eu à faire des guerres, des combats. D'accord? Il était exercé à la guerre, au combat certainement. Il va demander à une femme de l'accompagner au front. Sans quoi il n'irait pas. À une femme qui ne connaissait peut-être même pas comment il fallait porter une épée. Il va lui demander de venir avec lui au front. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est que Déborah a accepté. Déborah était une femme qui était spirituelle. Alléluia.
Elle était une femme spirituelle. Elle savait reconnaître la voix de Dieu. Elle savait reconnaître la volonté de Dieu. Alléluia! Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Elle savait reconnaître la voix de Dieu. Et elle a été courageuse. Parce qu'elle a vu que le peuple a besoin d'être libéré. Si je ne me lève pas, il n'ira pas. Et si on n'y va pas, le peuple d'Israël continuera à être asservi. Elle a saisi l'opportunité qui lui a été donnée ce jour-là, d'aller libérer les enfants d'Israël. Vous savez, bien souvent, Dieu met devant nous des opportunités, mais on ne sait pas les saisir. Dieu nous demande certaines fois de faire des choses, mais on a peur. Alors on va prendre quelqu'un avec nous qui sera notre béquille sur laquelle on va s'appuyer. Mais Dieu veut que tu laisses tes béquilles. Il veut être lui ton soutien. Il veut être lui ton appui. Toi, tu vas prendre des béquilles à chaque fois qu'il faut le faire. Il faut que tu comptes sur quelqu'un. À chaque fois qu'il faut parler, l'autre va parler. Mais c'est aussi à l'autre que Dieu va donner la gloire. Alléluia. Alléluia. Nous devons saisir les opportunités que Dieu met devant nous. Parce qu'il y a certaines opportunités, bien-aimés, qui ne se présenteront pas deux fois. Est-ce que je peux répéter? Il y a certaines opportunités qui ne se présenteront pas deux fois. Je travaille chez Eiffage. C'est une très grande entreprise de BTP. C'est la troisième entreprise française. Et comment est-ce que je suis arrivée là? J'étais au préalable assistante juridique. Et quand j'ai eu mon fils, je n'avais pas eu de place en crèche. Donc j'ai décidé d'arrêter, de faire une rupture conventionnelle parce que je ne voulais pas le laisser avec une assistante maternelle. Ça, c'était mon choix. Je ne veux pas dire que c'est mal, que c'est mauvais, qu'il faut se méfier, mais c'était mon choix. Donc je suis restée avec lui jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Et à la fin de... quand il a commencé la scolarité, j'ai commencé à chercher du travail et j'ai fait des intérims. Et je suis arrivée dans cette entreprise Eiffage. J'ai atterri dans le service de recouvrement. Alléluia. J'ai fait des missions d'intérim pendant 3 mois et j'ai tellement plu à mon responsable qu'il a essayé de me prolonger un maximum et j'ai fait 6 mois là-bas au lieu de 3 mois. Amen. À la fin de mon contrat, j'ai continué encore à faire des missions et 6 mois après, Eiffage m'appelle. On a un poste à vous proposer au service trésorerie. Est-ce que ça vous intéresse? Je ne comprenais pas, mais ah bon? Pourquoi est-ce qu'il m'avait sollicité? J'ai dit, mais comment ça se fait que vous m'appelez? Ils me disent, mais votre responsable nous a tellement dit du bien de vous. Et comme on cherchait quelqu'un, on s'est dit qu'on pouvait vous proposer le poste. Vous savez quelle a été ma réaction? J'étais pas contente, j'étais fâchée. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'envoies au service trésorerie, mais moi je connais rien à ça. Je regarde la description du poste, je vois des mots que je ne comprends même pas. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Et je me rappelle que j'avais appelé ma sœur, je lui ai dit, regarde, regarde, regarde. Elle m'a dit, mais franchement, c'est quand même pas juste. Parce que je sais que comme tu es là, tu ne cherches pas vraiment le travail. Mais le travail est venu te trouver jusqu'à la maison. Alléluia. Ce travail est vraiment venu me trouver jusqu'à la maison. Je me suis dit, ok, je ne vais pas être ingrate. Je vais y aller. Mais Seigneur, quand j'y vais, de toute façon, je vais rater l'entretien. Et puis, ils ne vont pas me prendre. Et je suis allée, j'ai passé l'entretien. Je n'ai rien compris. Ils m'ont trouvé fantastique. Je ne vois pas qu'est-ce que j'avais dit. Je ne vois pas du tout. Mais ils m'ont tellement aimé, ils m'ont demandé quand est-ce que je voulais commencer. J'étais tellement déçue. Et c'est après que j'ai compris que c'était une opportunité que Dieu m'a donnée. Au jour où je vous parle, j'ai grimpé d'échelon. Je suis passée d'assistante administrative à chargée de gestion. Je m'occupais des comptes. Maintenant, j'ai fait la trésorerie et je fais tout ce qui est caution bancaire. Le Seigneur a permis que j'évolue dans mon travail. Mais si je n'avais pas saisi cette opportunité, je serais passée à côté. Et je suis tellement contente de travailler là-bas, je vous assure. Je me lève le matin, même si je me lève très tôt parce que je suis loin. Mais c'est toujours avec joie parce que j'aime ce que je fais. Combien d'opportunités Dieu ne met-il pas devant nous qu'on ne sait pas saisir? Des fois, il donne des opportunités pour le mariage. Alléluia. Est-ce qu'on peut un peu parler du mariage? Alléluia. Est-ce qu'il y a une Déborah ce matin? Dieu met parfois des opportunités. Tu pleures par rapport au mariage. Tu veux te marier. Mais quand Dieu envoie un frère, tes yeux deviennent des lasers. Tu le décapites de la tête aux pieds.
Il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Et puis, et tu passes à côté, tu ne veux pas de lui parce qu'il ne correspond pas à tes critères. Mais sache que l'homme que Dieu te réserve ne va pas forcément correspondre à tes critères. Et je sais de quoi je parle. Alléluia! Je sais de quoi je parle. Certes, aujourd'hui, je suis tellement contente et je suis tellement bénie et je bénis tellement Dieu et je le remercie tous les jours pour le mari qu'il m'a donné. Mais quand il m'a présenté ma bénédiction, quand il m'a présenté cette opportunité, j'ai boudé. Oui, je vous parle sincèrement, j'ai boudé. J'ai dit au Seigneur, mais tu m'as bien regardé. J'ai dit, Dieu, tu m'as bien regardé. Comment tu peux me donner une personne qui ne me correspond pas du tout? Mais non, mais tu me déçois. Vérité vraie, j'ai vraiment parlé comme ça. J'étais sincère avec Dieu. J'étais tellement mécontente, pas parce qu'il n'était pas ceci, qu'il n'était pas cela, mais j'avais mes critères à moi. Il ne les correspondait pas. Si j'aurais suivi mes critères, je serais passée à côté de ça. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, je serais encore en train de chercher le mariage. Alléluia! Tu peux acclamer Dieu, ça va te réveiller. Alléluia! Alléluia. Dieu nous donne tellement d'opportunités. Des opportunités, même dans l'œuvre. On va t'inviter quelque part. Écoute, ma sœur, on a un orateur qui s'est désisté. Est-ce que tu peux pas venir prêcher? Qui, moi? Moi, venir prêcher? Et puis on me prévient comme ça de dernière minute. Donc je suis un bouche-trou, quoi. Hein? Ils ont fait leur programme comme il faut. Et puis moi, on vient me chercher en dernière minute. Mais qui te dit pas que Dieu a permis que l'orateur qui devait prêcher ne prêche pas pour que toi, tu prêches? Alléluia! Quand Dieu décide de te révéler au monde, il ne te dira pas comment il va le faire. Le comment ne nous appartient pas. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de saisir ce que Dieu nous donne. Cette opportunité est de foncer. Alléluia! Alléluia! C'est ce que tu dois faire, bien-aimé. Sois courageuse. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, sois courageuse, comme Déborah. Alléluia. Le contraire du courage, c'est la lâcheté. Si tu n'es pas courageuse, laisse-moi te dire que tu es lâche. Et je ne te juge pas en disant ça. C'est dans le dictionnaire. Hein? Vous verrez. Cherchez le contraire de courage, c'est la lâcheté. Alléluia. Et moi qui vous parle, j'étais tellement lâche. Tellement lâche. J'ai eu des opportunités que je n'ai pas voulu saisir parce que j'étais tellement lâche. Je manquais vraiment de courage. Et je vais nous énumérer quelques points qui font que nous soyons de la lâcheté. Alléluia. Le premier point, c'est qu'on regarde trop souvent à nous-mêmes. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas parce que tu es la meilleure. Il ne t'appelle pas parce que tu es la plus belle. Il ne t'appelle pas parce que tu es la plus intelligente. Il t'appelle parce que dans son plan, c'était écrit ainsi que toi, tu vas faire ceci et que tu vas faire cela, peu importe qui tu es. Peu importe quelle est ta famille. Peu importe ton histoire. Peu importe de là d'où tu viens. Dieu t'a choisi, pas parce que tu es bonne, pas parce que tu es mauvaise, mais parce qu'il t'a choisi, parce qu'il est Dieu et parce qu'il fait ce qu'il veut. Mais on regarde trop souvent à nous-mêmes. Et devant Dieu, on devient effectivement comme Gédéon. On commence à donner à Dieu des explications. Mais tu comprends quand même, tu ne vois pas que. Et puis, est-ce que tu vois ceci, cela? Donc, en fait, on est en train de dire à Dieu, mais tu t'es trompé. Tu voulais frapper à une porte. Ce n'est pas la mienne qu'il fallait frapper, c'est la porte d'à côté. Parce que quand tu vois quoi en moi pour me choisir? Tu t'es trompé, Dieu, il faut bien réfléchir. Ça paraît choquant ce que je peux dire. Mais dans notre réaction, c'est ça qu'on dit au Seigneur. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Alléluia. Même dans ma famille, je suis la plus déconsidérée. Et toi, tu me dis que je serai une grande prophétesse, que j'irai dans les nations. Mais enfin, Dieu attend. Tu t'es trompé. C'est pas moi qu'il faut choisir. Regarde, celle-là, elle est diplômée. Regarde, celle-là, elle est intelligente. Elle, tu peux la choisir. Non, c'est toi que tu as choisi. C'est toi que tu as choisi. Le deuxième point, c'est qu'on se pose tellement de questions. Comment Dieu va faire? Comment Dieu va m'utiliser? Et comment? Et comment ça? Et comment? Et comment? Et tellement tu te poses des questions, tu commences toi-même à être effrayé. Tu t'es effrayé toi-même en fait. Dieu n'a même pas commencé encore à agir que tu t'es effrayé toi-même.
à te poser des questions, comment Dieu va faire. Et puis il va passer par où pour me faire rentrer dans cet endroit. J'ai dit que le comment ne nous appartient pas. Dieu est souverain. Alléluia. Un autre point, on ne s'estime pas. On ne s'estime pas et de ce fait, on doute de nous-mêmes, de nos capacités. Alléluia. Quelles sont les raisons qui font que tu ne t'estimes pas? Quelles sont les erreurs que tu as faites qui font que tu n'arrives pas à t'estimer? Moi aussi, comme la sœur Oli, on se connaît depuis longtemps, depuis 97. Ça fait très longtemps. Et moi, c'est moi qui l'ai trouvée dans le Seigneur. Elle avait quoi, 14, 16 ans? 16 ans. On a tous une histoire, bien-aimée. Alléluia. On ne s'estime pas pour plusieurs raisons. Parce qu'on a eu des parcours qui ont fait que ça nous a déformés. Alléluia. Les blessures parfois déforment notre cœur. Alléluia. Et nous empêchent de manifester des fois cet amour que Dieu veut qu'on manifeste. On se regarde, on se dit, mais Seigneur, j'ai fait tellement d'erreurs. J'ai fait tellement d'erreurs, tu ne peux pas m'utiliser. Et le jour où je vais me tenir devant pour prêcher, mais les gens qui me connaissent, ils vont dire quoi? Le jour où je vais commencer à évangéliser, les gens qui m'ont vu faire telle ou telle chose, ils vont dire quoi? Tu ne vois pas que c'est ton nom qui sera dans la honte? Dieu, ce n'est pas son problème. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Et peu importe quel est ton passé. Moi-même, je viens d'un parcours tellement difficile, tellement compliqué. Et je ne vous cache pas que j'ai été un moment en colère. J'étais en colère contre Dieu. Je suis passée par plusieurs sentiments. Vous connaissez un peu notre histoire, mon mari des fois le brosse un petit peu. On vient de tellement loin, tellement loin. Tu te donnes dans un ministère, tu donnes ta vie, tu donnes ta jeunesse. Et après on vient, on te lapide, on te poignarde dans le dos s'il vous plaît. Et avec ça, il faut que tu continues à marcher. C'était pas facile. Je suis passée par plusieurs sentiments. L'incompréhension. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Les questionnements. La tristesse, les larmes. Et la colère. Et j'étais en colère contre Dieu. J'ai dit, mais toi, tu fais quoi finalement? Ta Bible dit que tu es un Dieu de justice. Là, tu es juste. Tu restes assis, tu restes calme. Dans certaines situations, c'est vrai que c'est dans le calme et la quiétude que sera notre force. Mais là, il ne faut pas rester calme, Seigneur, excuse-moi. Tu dois te lever. Et quand tu pars comme ça, tu n'entends rien. Tu pries, tu vois que du vent. Dieu ne parle pas, Dieu, tu ne vois rien du tout. J'étais en colère contre Dieu. J'ai dit, mais tu es quel Dieu alors, toi, finalement? Tu es quel Dieu? J'ai dit, comme je suis, je ne peux pas retourner dans le monde, c'est sûr. Mais tu me fais mal. Ton silence me fait très mal. Et Dieu m'a fait comprendre tellement de choses. C'était une période très bénéfique pour moi parce qu'il m'a fait grandir. Alléluia. Certaines épreuves sont importantes et sont bénéfiques pour nous parce qu'elles nous font grandir. Alléluia. Ne rejetons pas toujours toutes les épreuves. Elles nous façonnent et elles nous donnent l'image que Dieu veut qu'on ait. Alléluia. Alléluia. Et je me suis repentie, je dis, papa, pardon. Mais c'est le cri d'un cœur blessé qui a parlé. Je te demande pardon. Mais si je devais rester sur ces erreurs du passé, je ne me serais pas levée pour servir le Seigneur. Bien-aimé, arrête de te sous-estimer, s'il te plaît. Un quatrième point. On se dit que certainement, si on ne fait pas les choses, d'autres le feront à notre place. Qu'il y aura certainement des gens pour le faire. Effectivement, il y aura des gens pour faire les choses, sauf que le Seigneur t'a choisi aussi pour faire ces choses. Alléluia. Et tous ces points que je viens énumérer, on peut les rassembler en un seul. On peut les résumer en un seul point, le manque de foi. Alléluia. Notre problème, pourquoi est-ce que nous sommes lâches souvent? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas courageuses? C'est tout simplement parce qu'on manque de foi. On manque véritablement de foi.
La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais nous, on veut d'abord voir avant de faire. Alors que Dieu dit, crois d'abord et tu verras. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, crois d'abord et tu verras. Et la foi, c'est croire aux choses qui sont invisibles. Crois d'abord, fais et tu verras. Aie foi en Dieu, bien-aimé. Aie foi en lui. Dieu veut que tu ailles avec la force que tu as. Comme il a dit à Gédéon. Et cette force, sache que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est ta force et c'est lui qui est ta capacité. Alléluia. Alléluia. Déborah a regardé les intérêts des enfants d'Israël. Alléluia. C'est ce qui fait qu'elle s'est levée elle-même. Et Dieu veut que nous regardions ses intérêts, les intérêts de son royaume. Et c'est quoi les intérêts de son royaume, bien-aimé? Dieu nous a donné un instrument qui nous caractérise tellement, nous les femmes. Qu'est-ce que c'est? La langue, je dirais plutôt la bouche. Alléluia. Alléluia. On sait que les femmes, souvent, les femmes parlent beaucoup. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qu'on dit. Les femmes parlent beaucoup. Mais au lieu d'utiliser cette langue que Dieu t'a donnée, cette belle bouche que Dieu t'a donnée pour médire, pour critiquer ou pour toujours te plaindre. Il y a deux jours, je priais devant le Seigneur, je me plaignais. Et je sens une voix au fond de mon cœur qui me dit, non, c'est le bureau des plaintes. Je dis, oui, c'est le bureau des plaintes aujourd'hui. Alléluia. Au lieu d'utiliser toujours cette bouche pour autre chose, Dieu t'a donné cette bouche pour que tu puisses parler de lui. Alléluia. Quand Christ est ressuscité, qu'il a dit à ses disciples, allez me retrouver là-bas en Galilée, j'ai des choses à vous dire. Il leur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ceux qui croiront, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Inscrivez à toutes, instruisez ces personnes. Montrez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Montrez-leur tout ce que je vous ai montré. Témoignez de mon comportement. Quand j'étais face à la femme adultère, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas condamnée comme beaucoup le feraient. Je ne lui ai pas jeté la pierre comme tout le monde était prêt à la lapider. Mais je lui ai tendu la main, je lui ai pardonné. Quand vous serez face à des malades, ayez la même compassion que moi j'avais. Quand vous serez face à des femmes prostituées, ne profitez pas d'elles ou ne les jugez pas. Mais témoignez-leur de mon amour. Afin que ces personnes viennent à moi. Parce qu'à cette heure précise, ce qui est important pour le Seigneur, c'est que les gens puissent entendre parler de lui. Parce que l'heure est grave, bien-aimé. Il faut qu'on arrête de regarder seulement à son petit nombril. Lève les yeux et regarde. Les temps sont très graves. Les temps sont très graves. L'amour du plus grand nombre se refroidit. On ne sait plus s'aimer. On ne sait plus se supporter. On ne sait plus se pardonner. Mais c'est grave. Le péché est en train de grandir. Le diable est en train de gagner du terrain. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se bagarre les unes les autres. On se critique les uns les autres. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Si tu ne sais pas les dons que tu as reçus, si tu ne sais pas ce que Dieu a mis en moi, en toi, sache que tu as une bouche pour parler. Et ce n'est pas pour parler et dire n'importe quoi, mais c'est pour parler de lui. Alléluia. Dis amen bien, ça va te réveiller. Alléluia. C'est pour parler de lui. Et on peut prêcher son évangile de différentes façons, vous savez. On n'est pas toujours obligé de sortir beaucoup de versets. Il y a des personnes quand elles sont dans la peine. Quand tu viens avec ta Bible, oh tu sais la Bible dit, heureux ceux qui sont affligés parce qu'ils verront Dieu. Oh tu sais la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais des fois je n'ai pas besoin d'entendre des versets. J'ai juste besoin que tu sois là à côté de moi. Alléluia. J'ai juste besoin que tu me dises que je suis là, je serai là pour t'encourager, pour marcher avec toi. Je serai là pour t'accompagner dans ta souffrance. Alléluia. Notre attitude
Quelle est notre attitude? On peut prêcher l'évangile par notre attitude, par notre comportement. Mais quand on regarde souvent les comportements des enfants de Dieu aujourd'hui, mais c'est grave. Des fois même, je dirais que c'est honteux. Et je dis toujours une chose au Seigneur: Seigneur, ne permets pas que je te fasse rougir devant les hommes, devant les païens. Je ne veux pas. Et si ça m'est arrivé, je me repens. Et je ferai en sorte que ça n'arrive plus. Et si ça m'arrive encore, parce que je suis tellement imparfaite, je me repentirai encore. Et je ferai en sorte de changer les choses. Alléluia. On peut prêcher l'évangile par nos actes. Femme, qu'est-ce que tu fais? L'église a des besoins, mais qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Il y a des choses à faire, tu le vois. Mais tu ne te lèves pas, ça ne t'intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Quand vous payez le loyer de l'église, ben le pasteur et sa femme, ben, ils ont qu'à payer. Mais bien aimé, et toi et moi, on s'assoit sur les mêmes chaises. Alléluia. On bénéficie de la même clim, même si pour l'instant ça ne marche pas. La même lumière nous éclaire tous. Cette salle, c'est pour nous tous. Pourquoi quand ça ne t'arrange pas, ça ne te regarde pas? Non. Alléluia. Tu as un don. Tu sais décorer. Quand toi, tu fais le ménage, on a une sœur ici. Oh, je l'aime tellement. Elle est passe-partout. Elle est bricoleuse. Elle est... C'est toi? Quand il y a un truc qui est cassé, elle va te le réparer là. Mais impeccable. Elle sait mettre les choses en place. Elle n'attend pas qu'on lui dise. Elle voit que là, ça ne fonctionne pas. Elle va le faire. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans l'église. Mais au lieu qu'on s'assoie pour critiquer, oh, t'as vu, il y a ça qui ne va pas, et t'as vu, il y a ça qui ne va pas, mais quand même, ce n'est pas normal. Mais toi, tu sais le faire. Lève-toi, fais-le. C'est tout ce qu'on te demande. Alléluia. On peut prêcher par le témoignage de notre propre vie, de notre vie, je dirais, transformée. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous ne sont pas véritablement transformés. Celle qu'on a connue hier, c'est la même peut-être qu'on reconnaît aujourd'hui. On doit changer. On vient tel qu'on est au Seigneur, c'est vrai. Mais on ne doit pas rester tel qu'on est. On se doit véritablement de changer. On doit laisser le Seigneur nous briser afin de nous façonner et de nous donner la forme qui lui plaît. Alléluia. Mais malheureusement, certaines d'entre nous ne veulent pas changer. Elles ne veulent pas changer. Quand on nous fait des reproches, bien-aimés, ne soyons pas toujours braqués. C'est vrai qu'on n'est pas content quand on nous pointe du doigt. Mais est-ce que ce qu'on dit, c'est faux? Est-ce qu'on peut d'abord examiner ce qu'on nous dit pour voir si c'est vrai? Et si vraiment on se retrouve dedans, est-ce qu'on ne peut pas faire l'effort de changer? Alléluia. Je m'en vais vers la fin. Déborah a relevé un défi qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entre nous ne veulent plus relever. Ce monde est plein de défis, vous savez. Ce monde est plein de défis. Même pour éduquer nos enfants, ça devient un vrai défi, vous savez. Est-ce que vous le savez? Parce que l'éducation nationale décide certaines choses. Parce que le monde dans lequel on vit décide certaines choses. Est-ce que vous savez qu'au Canada, on n'a pas le droit de taper les enfants? Un parent qui tape son enfant, je ne parle pas d'un parent qui bat son enfant pour le maltraiter, non. Je parle d'un enfant qui, selon la Bible, comme la Bible nous dit qu'il faut instruire l'enfant. Alléluia. Dès son plus jeune âge, il faut instruire l'enfant et que des fois, un coup de bâton, ça ne lui fait pas de mal. Une petite fessée pour le corriger, pour le recadrer, ça ne lui fait pas de mal. Mais au Canada, tu n'as pas le droit de corriger ton enfant. Si on se surprend ou si on entend que tu as tapé ton enfant, on va te le prendre. Renseignez-vous, c'est vrai ce que je dis. Donc, l'école apprend autre chose à nos enfants et nous, on laisse faire parce que ben, c'est l'éducation nationale. Non, l'éducation nationale pour nos enfants, c'est ce livre. Alléluia! L'éducation nationale pour nos enfants, c'est ce livre. Moi, je dis toujours à mes enfants, aller à l'école, c'est bien. Mais ce qui prime, c'est ce que moi, je vous dis. Alléluia. À l'école, on vous dit qu'une femme et une femme peuvent s'aimer. Un homme et un homme peuvent s'aimer. Moi, je vous dis que c'est un péché et c'est une abomination devant Dieu.
Alléluia. Dieu aime les homosexuels, mais il n'aime pas l'homosexualité. Et l'homosexualité est un péché. Tu te dois de parler à tes enfants. Alléluia. Tu te dois de prendre une position face au mal qui est en train de grandir dans ce monde. Ne te laisse pas entraîner seulement parce que les choses sont comme ça. La Bible nous dit que vous êtes dans le monde, mais ne vous êtes pas du monde. Alors pourquoi est-ce qu'on se comporte souvent comme si on était des personnes du monde? Bah parce que c'est comme ça, c'est la société qui le veut, parce que bah c'est comme ça que le monde marche, mais tu vis dans quel monde toi? Je vis dans la lune, dans le monde de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Femme, s'il te plaît, ne donne plus mille et une excuses pour ne pas servir Dieu. Ne cherche pas mille et une raisons pour ne pas servir Dieu. Tu as la chose de Dieu. Alléluia. Tu as la chose de Dieu. N'attends pas que le pasteur vienne prophétiser sur toi ou qu'il vienne t'imposer les mains. Non, tu n'as pas besoin de ça pour te lever. Alléluia. Tout est consigné dans sa parole. Dieu a tout dit dans sa parole. Et il a dit qu'il y a diversité de dons qu'il a donné aux uns de prophétiser, aux autres la parole de connaissance. Tu as quelque chose que tu as reçu de la part de Dieu. Alors il faut que tu te réveilles, Déborah. Il faut que tu te réveilles, que tu prennes courage, que tu saisisses les opportunités, que Dieu met devant toi et que tu te mettes en marche et que tu te lèves, Déborah. Parce que quand tu vas te lever, les choses vont changer. Alléluia. Déborah s'est levée et les choses ont changé. Alléluia. Barak a fui, il a eu peur. Il a eu peur. Mais Déborah s'est levée. Déborah a dit au Seigneur, me voici, envoie-moi. Quand Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera devant moi? Dis au Seigneur, me voici, envoie-moi. Là où les autres ne veulent pas, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Bien-aimé, je crois que cette veillée est une veillée pour amener véritablement le changement. Tu ne peux pas sortir d'ici ce matin et revenir dimanche comme tu étais. Non. Il faut que tu prennes la décision aujourd'hui. Et il faut que tu te dises que les choses doivent changer. Est-ce que tu peux te lever là où tu es et dire que les choses doivent changer dans ma vie? Alléluia. Alléluia. Il faut que les choses changent. Je veux voir des femmes dynamiques. Je veux voir des femmes qui n'ont pas peur. Des femmes qui n'ont pas peur de prêcher l'évangile. Des femmes qui n'ont pas peur de parler. Des femmes qui n'ont pas peur de dire des vérités. Dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Il faut que les choses changent. Passe par moi pour que ces choses changent. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci de bénir quelqu'un, mon Dieu, mon roi, Père éternel, ce matin. Et que ta parole, mon Dieu, mon roi, Père éternel, Seigneur, que nous ne puissions pas seulement nous contenter de l'entendre, de l'écouter, mais que nous puissions véritablement la mettre en pratique. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Tu peux acclamer pour toi-même. Alléluia.